Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? M'espérez nous en forme, m'espérez nous préparer pour l'émission jeudi en là. Jeudi en c'est vendredi, vendredi et 30 décembre 2022, c'est dernier vendredi dans mois, dernier vendredi dans l'année, c'est 52e vendredi nous. Donc, les supposés, yon émission bilan. Li suppose yon émission qui a présenté de point de vue global yon ensemble de faits qui marquent actualité pendant toute année sur le plan économique, sur le plan politique, social, culturel. Faut que nous parlions pays, faut que nous mettions bilan yo, faut que nous continuions démasquer acteurs yo qui pas assumer responsabilité yo qui mettent pays à côté lié jodi an là. C'est pas seulement responsabilité comme haïtien, mais c'est responsabilité nous toutes, j'aime toujours aimer dire, pour nous batailler, pour nous gon l'autre société qui ka mené dans l'autre pays. Je dis en son grand plaisir pour me gagner avec moi Stanley Lucas. Avec lui, nous pral fait table rase de tout ça qui passait en dedans pays en pour année 2022 à là. Son émission qui changeait, son émission qui annonçait en pile bagaille là-dedans, oligarque pas content et gouvernement Ariel Henry avec Aliel yo pas content parce que faut nous dénoncer exactions, faut nous dénoncer les actes criminels, nous bon pays pour nous sauver, nous génération future pour nous sauver, nous bon société pour nous préserver. Mais avant même que commencer poser stand les questions yo, m'a profiter de chaque grand ami merci, chaque monde qui te répond présent dans projet sous jour moi, chaque monde qui te répondent présent pour porter support, pour porter contribution, pour permettre que projet activité en libre prend vie. Eh bien, merci. Pas suffit, mais nous restons deux jours toujours. Nous restons deux jours ou même qui voulait contribuer, ou même qui voulait supporter l'initiative pour gagner plus de monde dans l'activité, pour nous capoter sous bail plus de monde. Ou qu'a toujours fait ça, relève. Écrit dans le numéro d'émission 3896 3819. Faut nous porter sous plan bail monde sans qui n'a nécessité. Sous traditionnel, nous connaissons haïtien Marie Code Lombouture avec ce jour. Yo pas négocié sous le jour mon 1er janvier. Donc le peu que nous ka faire, le peu que nous ka bay avec moun sa ou ki nan nécessité, organisation moun ki handicapé, des séries de tigran moun ki la ki pa gen relé, ki pa gen répond, on nous fait yo souri 1er jour nan année. On nous supporter initiative là, on nous supporter projet là. Bon, nous pral commencer avec Stanley là parce que gen question oui, gen question. Je m'étais déjà annoncé, eh bien invitez-nous dans l'émission pour jeudi, c'est Stanley Lucas. Avec Stanley, nous pral font bilan de l'année. Nous pral font bilan économique, un bilan politique, un bilan sur le plan sécuritaire, un bilan pour papa sur le plan social. Pour nous garder et qui ça qui passe dans l'ensemble de l'année, qui responsabilité que dirigeant ont pris, qui ça a été fait, yo pas fait, qui ça a pas fait du tout. Pour améliorer les conditions de chaque haïtien, pour mettre les pays dans l'autre niveau, dans l'autre dimension, côté que au moins l'autre pays te ka respecter nous, te ka respecter souveraineté pays nous, et pourquoi pas respecter chaque haïtien comme monde. Stanley, de point de vue politique, et déjà, comment ou est année 2022? De point de vue politique, qui mille ans, qui regarde? Et d'abord, ma présente mes vœux de santé et ou même toute équipe ou ensemble avec tout auditeur yo, et pour l'année 2023 et l'organe la santé ou kagou même pour rester. Ma félicite tout et pour travail que ou même à toute équipe ou a fait et pendant l'année 2022 et qui sont travail d'éducation politique, économique, sociale et culturelle. Qui contribuer malgré difficultés que nous vivions et que le peuple a continué à gommer. Donc, je me demande qui bilan politique que je fais pour 2022. Je pense que le premier bagage, il faut nous féliciter et résistance peuple haïtien depuis bientôt 18 mois que a assassiné le président Pélé. Malgré la guerre politique, la guerre économique, la guerre sociale, que l'élite globaliste corrompue, oligarque Pétionville, avec politiciens criminels à faire contre les Parisiens, où est que résistance là vivant, résistance là, là et peuple là, la cherche chemin pour sortir et en bas phosphore noire. Donc, premier bagage, je pense qu'il faut nous féliciter le peuple là, il faut nous féliciter la diaspora. Pour capacité de résistance que vous montrez par rapport à
force totalité et force noire. Pour bilan politique là, il y a 6 dossiers qui dominaient actualité politique pays d'Haïti en 2022. Il y a un dossier justice là qui c'est premier dossier là, il y a un dossier insécurité là, il y a tentative coup d'état, il y a question élection yo, il y a la diplomatie et la corruption. 6 dossiers ça yo, c'est yo dominer actualité politique là. Au niveau de la justice, ça qui caractérise l'année 2022, c'est GFOR, oligarque Pétionville, avec les politiciens assassins qui touillent le président pour domestiquer la justice. Dans ce sens, ils ont nommé illégalement juge dans la Cour de cassation, ils ont nommé illégalement dans la CSPJ, ils ont nommé 53 juges illégalement, même juge qui a fait enquête sur l'assassinat du président, son juge unité qui impliquait dans le président. Et donc, politisation de la justice. Deuxième bagaille toujours dans la justice là, qui marque 2022, c'est sabotage, enquête, assassinat président Jovenel Moïse. Là. Dernier juge qui sous dossier, Walter Wessel Voltaire, montre que son travail politique qu'il a fait, il a fait des confidences à Wendy Fell, alors que Code d'instruction criminelle l'a dit, juge pas de faire déclaration publique sur enquête ou bien essayer d'orienter enquête là au niveau de l'opinion publique. Ça a montré que mission ni son mission politique que j'ai fait. Un moment Stanley, mais ceux qui sont basés pour dire que lui fait des confidences à Wendy Fell. Et Wendy Fell a publié sur compte Twitter li des informations confidentielles. Par exemple, juge l'a interviewé et Dimitri là. Après ça, juge l'a interviewé Léon Charles. Comme juge l'a ouais, qui a une contradiction entre deux nègres, juge l'a pour aller faire confrontation entre deux nègres. C'est pas seul Dimitri qui rapporte, le bon ensemble de médias qui te rapporte. Bon, c'est là le sorti en premier. Et tout le monde a répété là, bref. C'est là le sorti en premier. Okay. Donc, l'on vient garder où est politiquement et qui est. En dans mon pouvoir qui connectait juge là avec Wendy Fell et le fait même que le moment des juges là déporté tête li juge là a dit Wendy Fell que avocat la famille Moïse vient intimider alors que la loi très claire de bon juge a fait enquête yo intimido ou doit arrêter moun ki intimido là et qui est dans pouvoir gen impression qui connecté yo. Bon, c'est Ariel Henry, c'est Ronny Colin, c'est Réseau ça qui connecte Wendy Fell. Faut pas oublier que Wendy Fell travaille dans Radio Zénith avant de partir pour venir citoyen français et c'est dans Zénith qui était contre en Haïti. Mais donc moi remarqué sous même réseau même gens il y a des journalistes même gens et famille présidentielle l'a demandé à réclamer justice pour le président Jovenel Moïse c'est avec même fougue même acharnement Wendy Fell tout dans différentes émissions qu'on a regardé sur le poste. Ouais mais sauf que de temps en temps où elle attaquait avocat la famille Moïse et l'attaquait les victimes qui portaient plainte contre premier ministre Ariel Henry. Et une contradiction là, soit chercher justice ou pas attaquer avocat cap vous-même pour justice, au contraire, ou accompagner victime, ce n'est pas le cas. Mais toujours dans le dossier justice là, et nous venons découvrir avec publication document 9 pages, consensus national là, même oligarque qui touille président, c'est eux-mêmes qui touille Éric Jean-Baptiste. Et il y a un problème qui te gagne, Éric Jean-Baptiste pas voulait signer un document de consensus national dans la réunion qui était que l'Italie joue autour là dans soi. Parce que le document ça a pas fait de lui un supporteur d'Ariel Henry et un figurant. Et nous voyons qu'au niveau de la justice, pas aucun effort. Même après publication document consensus national là pour un monde qui organise, qui oligarque, qui politicien, à qui profite le crime. Mais là, les documents, ou à qui profite le crime. Toujours au niveau dossier judiciaire pendant 2022, il y a des gens dans le CSPJ, il y a des commissaires gouvernement, il y a des juges qui ont touché dans les gangs, soit pour l'arrêter et pour protéger. Ça est dossier justice là en 2022. Pour l'insécurité, nous avons une multiplication de gangs dans la zone métropolitaine, il y a à peu près 53.
nous constatons que 96% des âmes que gang yo recevoir, ça veut dire balles, revolvers, mitraille, c'est Florida qui est sorti. Nous voyons que, et toujours dans le dossier insécurité pour 2022, oligarques qui créent toute gang ça, les créent en 2017 et 2022 pour jeter président Jovenel Moïse. C'est pendant le pays là, que gang ça vient prend force parce que oligarques à opposition ont utilisé gang ça pour attaquer la police. Pendant le pays, ils ont boulé 15 commissariats, ils ont boulé 8 tribunaux, ils ont boulé 7 mairies, ils ont boulé l'école et la prière. Nous remarquons que jusqu'à présent, pendant que je parle avec vous là, pas aucun oligarque et aucun politicien qui mettait gang ça en place qui vient me sanctionner. Donc, insécurité a. Il va aller en 2022 et au commissariat des droits de l'homme, te baille à peu près chiffre combien de kidnapping, combien de monde qui mourit en bas insécurité pour l'année 2022. Pendant l'année 2022, il y a 5 tentatives coup d'État qui fait. Il y a une tentative coup d'État Montana avec Fritjan, il y a une tentative coup d'État Penn, il y a une tentative coup d'État Salut Public avec Aristide, il y a une tentative, dernière tentative coup d'État avec Consensus National là. Ouais, c'est pour venir renforcer coup d'état sanglant qui était fait qui bail accord 11 septembre nan nan touye président Jovenel Moïse, c'est ça tentative coup d'état consensus national là venir renforcer. Donc en 2022 ou gagne 5 tentatives coup d'état. Ouais, moun yo pa parler du tout de constitution. Là on parler de accord son tentative coup d'état pour prendre pouvoir sans peuple là. Quand à pour élection pendant 2022, nèg yo pa parler de élection du tout. Pourtant, il y a 5 millions de personnes en dedans pays qui ont 4 électorales. Ouais, n'y a pas parlé de 4 démalogues là encore. 4 là, c'est bon. C'est une meilleure 4 qui gagne dans les Caraïbes là et en Amérique latine en matière de sécurité. Ouais, pendant 2022, il n'y a pas parlé d'élection, il n'y a pas parlé de 4 d'identification nationale là qui bon. Et. Mais l'élection, je suppose, c'est un bon titre pour nous, les tirs au Sénat, etc., etc. C'est ça, ça veut dire que le Ariel monté comme premier ministre, l'élection était faite dans 5 mois. KEPA était dans la phase avancée dans l'organisation référendum et des élections. Et le fait même que Ariel a écrasé KEPA, la diplomatie a gagné et plusieurs dossiers qui marquaient l'offensive de la République dominicaine contre Haïti. La République dominicaine applique une politique internationale anti-Haïti, anti-Haïtien. Nous ne pouvons pas faire Dominique au sein de l'histoire du pays. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, chaque fois que nous intervenons sur la République dominicaine, c'est tout pour faire face à des dangers, tant que les gens qui veulent rétablir l'esclavage. Nous devons toujours protéger la République dominicaine et nous toujours aider. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons demandé intervention militaire dans le pays, dans le pays PAN. Il y a une campagne internationale pour intervention militaire. Mais finalement, l'on analyse ça, ouais, qui est-ce qui a une intervention militaire? C'est le ouais, lien qui existait entre le président dominicain, qui sont Libanais dominicains, et Libanais haïtiens, qui participaient dans tous les présidents Jovenel Moïse, qui proche président Libanais dominicain Abinader. Libanais haïtien qui touille le président Jovenel Moïse, qui proche président dominicain Libanais haïtien, c'est Dimitri Vob, Reginald Boulot, Jean-Marie Vob et Latrier. Et c'est là où vient comprendre que 17 mois, 18 mois après l'assassinat président, puis le problème que nous avons gagné, c'est que assassin ouais, oligarque, à politicien reste avec eux, ouais, que bon côté pas bon levé campé, c'est seulement intervention militaire étrangère dans le pays qui a protégé. Donc ils servent à Saint-Domingue pour faire campagne, pour demander d'intervention militaire. Et toujours dans la diplomatie, il y a les Nations Unies. En les Nations Unies, il y a deux catégories de dossiers. Il y a un dossier que Blanc n'a pas parlé de eux concernant Haïti, et il y a un dossier que Blanc n'a pas parlé de eux. On d'abord regardé le dossier que n'a pas parlé de eux. Le premier dossier que n'a pas parlé de l'IA, Haïti, les fins touillés, as oligarques assassins, blancs qui fait partie des élites globalistes corrompues, avec politiciens criminels fin touillés, président Jovenel Moïse, Haïti voyait deux lettres par les Nations Unies. Yon 19 juillet 2021, deuxième nan, et 3 août 2021. Dans l'être ça, l'État haïtien m'a des Nations Unies, même j'en ai fait ça, les fins touillés, premier ministre pays Liban, Rafik Hariri,
ou te mettre un tribunal pénal international pour jouer un assassin, faire même bagaille là pour Haïti. 18 mois après, Nations Unies dans maronnage. Question que nous avons posé tête nous, est-ce que parce que Madame Lali m'implique dans tous les présidents, ou bien un blanc américain, tant que Arcangel Pratel, qui c'est blanc, Arcangel Pratel, pardon, qui c'est blanc américain, qui travaille pour FBI, qui implique dans tous les présidents, d'après un journaliste américain qui est David Adams. Gros coordonnateur américain dans tous les présidents, monsieur le Arcangel Pratel, qui tout le président pays d'Haïti. Et l'MC, tout le président pays d'Haïti, monsieur tap travail pour FBI. Il faut nous répondre à la question. Est-ce que c'est pour ça que vous avez mis le tribunal pénal international là? Toujours dans les Nations Unies, l'autre dossier, vous avez parlé de lui. C'est les Nations Unies qui touillent 10 800 Haïtiens avec choléra qui ont lagué dans le pays en novembre 2010. Vous avez dû payer réparation à la famille 10 800 Haïtiens qui ont choléra les Nations Unies en pays. Nèg yo te promet que tu as payé réparation ça yo le secrétaire général Ban Ki-moon te là pour ça jusqu'à présent 12 ans après yo poukou payé un goud by 10 800 familles ça yo que choléra Nations Unies paye et tout est-ce que Black Lives Matter parce que l'aime garder dans ka pays Libye OK l'aime garder dans ka pays Libye l'aime garder dans cap pays Libye. Te gen 125 blancs que la Libye touye. Yo te paye famille 125 blancs sa yo 1 milliard 900 millions de dollars américains de dédommagement pour les séparer entre yo. 125 familles blancs que yo te touye. Yo te fait la Libye payer 1 milliard 900 millions de dollars américains de réparation que 125 familles sa yo t'a séparé. Maintenant, c'est qui suit comment? Qui fait pas bon côté autorité pays nous pour jouer une réparation ça? Bon, est-ce que c'est pour ça que Madame Lali mette Ariel Henry avec un tweet comme n'est qui impliqué dans tous les présidents? Étant donné qu'on a un assassin qui impliqué dans tous les présidents, donc blanc yo campé d'elle pour que sa pays d'Haïti gagne comme intérêt pour la défendre. Est-ce que c'est pour ça que vous mettez Ariel? Mais écoute, Stanley, mais écoute, ça remonte de longue date. 2010. Non, mais président Jovenel Moïse, le gars. T'es suivi que tu fais président Jovenel Moïse? Absolument. Montez sur YouTube, gardez discours président Jovenel Moïse devant Assemblée Générale Nations Unies en septembre 2020, en septembre 2019. Nous faisons des blancs, qui l'en a pas payé comme réparation à 10 800 familles victimes. Il était dans le discours. Est-ce qu'on discours ça tout? C'est une propagation légale qui fait. Des poursuites légales qui fait. Et il ne faut pas oublier que la diplomatie d'abord, c'est l'opinion publique. C'est 3 ans que nous gommons à Negyo pour Negyo te reconnaître que c'est la plague et la choléra. Negyo pas te reconnaître que c'est la plague et la choléra. Son gommé dans l'opinion publique d'abord, qu'on fait. Qu'il y a au niveau juridique, ok? Tu as une action qui a commencé contre Mounio. Jusqu'à présent, le département d'État te prend en faveur statut diplomatique qui dit que gain immunité qu'on pas capable poursuivre moun yo. Même les moun yo te fait cas déjà sous femme, sous petit moun, sous garçon dans pays d'Haïti. Donc dans sens ça, réparation ça que Nations Unies doit payer bay haïtien. Même on 5 à 6 millions te ka bay chaque famille toujours. Dis bon nous pour gain cob mais 15 5 millions ça à chaque famille. Pour ça, vous pouvez faire 12 ans après. Et c'est la vie mon noir par voie. Et donc, ça a un dossier que n'est pas vraiment. Dossier que n'est pas parlé de lui toujours dans la diplomatie, c'est deux dossiers. Intervention militaire avec sanction. Kouya, l'homme intervention militaire. Peuple haïtien pas voulu intervention militaire à cause de dismission des Nations Unies qui passait dans le pays en 35 ans. Toute mission, ça a fini par des échecs. Toute mission Nations Unies, ça a fini par des échecs et yon quitte une catastrophe dans le pays. Et c'est pour ça que le peuple a demandé pour qui ça blanc yon. Yon pas fait même gens que yon fait avec blanc pareil yon. Laissez moun noir pays d'Haïti. Laissez blanc pareil yon en Ukraine. Yon voye 30 millions de dollars américains zamba yon. Laissez blanc pareil yon Kosovo. Yon bay l'armée Kosovo tout ça le besoin. Pour qui ça laisse l'armée noire, la police noire pays d'Haïti yon refuse bay zam yon. Pour ça, c'est intervention militaire qui est échoué dans le pays déjà, qui a parlé de lui.
laisse moi vous comprendre que c'est élite globaliste corrompue. Il y a trois catégories de monde qui des intervention militaire pas peuple haïtien. C'est blanc qui fait partie des élites globalistes corrompues qui besoin de voler, sac en bataille et en ballant mes pays d'Haïti. C'est pour ça que son militaire et une mission militaire étrangère. Ou yon nan tel zone nous pas ka rentrer comme haïtien pendant ap voler sa kambate a. Nous pas ka quitter ça arriver. C'est oligarque Pétionville avec Ariel. Gon côté peuple la pral lever camper contre yo, yo besoin mission militaire étranger pour protéger yo. Ou li a pour sanction que yo débat nan Nations Unies. Jusqu'à présent y a passé nous nan bêtise. Toute gang qui existait journée jodi a, yo té créé pour bail président Jovenel Moïse coup d'état. De 2017 à 2021, les autouillés là, il y a 7 tentatives coup d'état que l'opposition radicale là, avec oligarque Pétionville, Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob et Latrier, ils ont fait contre président pour démettre la terre. Les autres n'ont pas capable d'aller chercher soldats colombiens pour tout. Pendant pays lock, pendant tout ça que tu as fait contre président Jovenel, ça a gagné. C'est pendant pays lock, ils ont boulé 15 commissariats, ils ont boulé l'école. Yo boule FAES à Fantôme 509. Yo boule ONA. Y attaque ONA. Y attaque ministère finance. Y attaque ministère justice. Y attaque primature. Avec gang yo. Pour gang yo, te mette pieds sous pou l'État et sous la police. Pendant ma parle avec ou là, blanc y a parlé de sanctions. Pas gen aucun oligarque qui implique dans gang yo. Pas gen aucun oligarque qui te dans trafic d'am. Pas gen aucun oligarque qui t'a boulé ministère et institution démocratique PIA qui ont jamais sanctionné. Donc sanction qui a fait jusqu'à présent et poussière qui a voué dans genou. Ou pas considérer, donc je dis alors pas considérer Laurent Lamothe, ou pas considérer comment il s'appelle? Ou pas considérer Jean-Lucien, m'a parlé de secteur économique là, il a sanctionné Abdallah. Yo non, moi-même, ou pas considérer comme oligarque. Moi-même, je suis toujours clair. Je dis, il faut que vous sanctionnez tout le monde qui est impliqué dans la gang, dans le trafic d'armes et dans tous les présidents. Mais il faut vous dans le tribunal pour vous à preuve. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas quitté nos préoccupations. Parce que le premier monde qui parle des sanctions, c'est nous-mêmes. Nous tellement connaissons l'international, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Pour garantir par aucun blanc qui vient mettre pied sous coup politicien haïtien qui ont menace pour souveraineté pays national pays a nous dit que loi a sanctionné mené prévu dans tribunal. Donc là où ça c'est ça nous pas de problème avec yo. Donc là où ça jusqu'à présent pendant m'a parlé avec ou là nous même nous qui même position quel que soit moun qui sanctionné a mené prévu dans tribunal. Donc là, si bien comprendre, ou rejoindre en quelque sorte l'ancien premier ministre Laurent Lamothe qui fait comprendre que sanction est plus basée sur tripotage, sur zin, que sur deux véritables preuves que pays Canada et États-Unis étaient qu'à disposer, étaient qu'à gagner. Moi-même, ça m'a dit là, par contre, si bien mon qui vient nous rejoindre, moi, ça m'a dit là, yo daté de 2021, yo pas nouveau. Il y a peut-être des monde qui a vint en 2022. Moi-même, ça m'a dit là, c'est depuis 2021, soit regarder interview qu'il me fait sur YouTube. Donc, si il y a des gens qui viennent nous rejoindre, ça m'a dit, yo, ça m'a dit que ça m'a dit que c'était correct depuis 2021, laisse ça pour qu'on même des sanctions. Bah, nous-mêmes, c'est nous qui avons commencé à parler des sanctions internationales. Yo. Donc, toujours la question des sanctions, on va qui étonner, nous, c'est ça l'ambassade du Canada en Haïti a dit. Nous saisissons tout bien à tout comme qu'on va le saisir, yo, yo pas pris mettre trésor public à Haïti. Il y a qu'un bé. Moi-même, je parle de ça. Je dis tout bien à tout corps qui saisit, yo doit remettre à Haïti pour nous faire prendre coup que nous te prenons en Suisse. La Suisse saisit comme Duvalier et puis ils font ONG Suisse Cadoli qui a fait gagote avec lui. Nous ne prenons pas pour ça encore. Je dis ça depuis 2021. Donc, dans la question sanctionnelle, jusqu'à présent, que nous avons parlé au niveau des Nations Unies pour gagner sérieux. Toujours dans la diplomatie, nous avons Ottawa un problème. Parce que, bien de côté, nous demandons si il y a un règlement de compte. Directeur adjoint, cabinet, premier ministre Trudeau, sont là à ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des règlements de compte qu'il a fait lui-même? Dire les Majorie Michel, c'est pas Majorie Michel SDP à nous, ou l'autre Majorie Michel Petit Fat Michel. Et bras droit d'Aristide qu'il t'est. En parlant.
toujours dans Ottawa, il n'y a pas qui inquiète nous, c'est que l'ambassade du Canada en Haïti a fait tweet pour le courir ancien candidat à la présidence Unité Vérité à Jacques Luman. Est-ce que je vous dis, Canada dans la diplomatie, li, intérêt li dans le pays d'Haïti, c'est les unités qui participent dans tous les présidents. Donc, nous avons vu ça. Ouais, moi, diplomatie alors... a toujours dans Washington. Nous avons dans Washington plein de groupes politiques qui ont Nous avons trois ambassadeurs américains qui ont boumé pour Montana, ancien ambassadeur américain. Ils ont écrit dans le journal, ils ont demandé intervention militaire pour faire pour installer Montana. Il y a trois ambassadeurs américains. Nous voyons tout ce qui est américain, c'est Ariel. Nous n'avons ni Aristide, ni TPHTK Matéli qui participent dans tous les présidents. Il y a un blanc par eux qui a pris les ficelles pour eux dans Washington. Donc, en parlant de règlement de compte, ça est extrêmement important parce que à chaque émission nous fait, ou gon façon ou mettez accent sur Oligopio, sur Action et Dimitri Vob, Reginald Boulos, etc. Et est-ce que si moun sa yo te fait partie de liste sanctionnée, est-ce que personnellement a tout à combler? Comportement bien joué jodi à la tabler. Comportement façon réagir jodi à la par rapport avec sanction que Canada, États-Unis et Royaume-Uni a pran là et m'a vinn sur ça tout. Et est-ce que si monsieur sa yo te nan liste ou t'a wè sanction ou l'autre jan? Moi m'ba nan si nan politique pa gen si avec si ou ka mete Washington non bouteille cola. Moi même ça m'a baillé, c'est sa réalité aïe. Allez, si gang qui l'a yo, yo te créé pour éliminer Jovenel Moïse. Yo passé 3 ans et demi, 4 ans à bouler pays. C'est oligarque ça yo qui boule avec gang yo 15 commissariats de police. Ça son réalité qui est bien documentée. Et à quel moment, de la durée? Permettez-moi un film ça. C'est oligarque ça yo qui a attaqué les structures de l'État démocratique et constitutionnel. Et c'est même oligarque ça yo qui touye président Jovenel Moïse qui fait que le 9 juillet, la justice voyait papier la justice Bayo, Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, pour implication dans tout yon président constitutionnel PIA. Maintenant, si dit ou non, mais réalité a. Mais à quel moment de la durée nous réaliser ces moun sa yo qui derrière et création gang de dans pays déstabiliser jusqu'à ce que journée jodi là nous gon pays côté que yo assassiner président? À quel moment de la durée nous réaliser ces groupe moun sa yo qui derrière toute action? Parce que si sous président Jovenel Moïse nous t'es conscient que c'est eux même qui profitent de pays l'autre, non seulement nous dit c'est eux qui l'autre pays yo profitent de pays l'autre pour gangsteriser pays net, pour que ça pas de aucune action légale au président et au président. Au président, c'est lui-même qui gagne contrôle ensemble de ministères, malgré que la travail de conseil avec les premiers ministres, etc. Même pas penser que le président pral admettre pour le premier ministre choisir n'importe qui qui pas faire justice, ça marche bien, etc. Pour que ça pas de aucune action qui te fait contre Nexayo? Belle question. Léo fait tentative pour tout le président Tabar le 7 février. La justice a arrêté 3 caladins. Tentative coup d'état que Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, te préparé avec Reginald Boulos pour aller tout le président dans l'habitation Vob, dans Tibois. Léo t'a arrêté. Majorité micro qui touche dans les oligarques, qui ont dit c'est prisonnier politique, pas de coup d'état vraiment pour tuer le président le 7 février. Regardez dans quel environnement que bagaille t'a fait. Oui, il y a une action judiciaire. Il vit qu'elle est à Brésil, c'est pour Dimitri Vob à Jean-Marie Vob qu'il travaille dans la tentative pour tout le président dans l'habitation Tibois, l'habitation Vobio. La justice vient faire travail. Pas de bon campagne systématique pour dire prisonniers politiques. C'est la réalité. Donc, je vous dis, moi, je pense que dans le contexte, il y a des actions. Dès qu'il y a des actions juridiques par rapport à crime qui t'a commis, il y a des actions juridiques par rapport à jeune qui t'a volé l'État, et réponse par rapport à l'action démocratique qui t'a posé pour ébailler l'État droit dans la société, c'est violence pays-là et puis assassinat président, c'est ça que tu réponds. Donc, au niveau diplomatie, tout, et dans ce sens, nous avons l'absence
organisation des États américains après assassinat, même et chat démocratique là-bas invoqué, c'est peuple haïtien pour battre bravo pour lui avec diaspora cap boumen pour justice. Donc je ne jodi dis à 18 mois après, malgré que oligarque prend contrôle la justice, malgré que oligarque gain contrôle pouvoir exécutif là, malgré toute manœuvre que oligarque a fait dans international là avec gouvernement qui là, si après 18 mois nous avons parlé de justice et de démocratie, c'est grâce à Goumen diaspora peuple haïtien et nous mêmes comme journalistes qui sur réseaux sociaux cap Goumen pour démocratie et pour justice. Allô? Yeah. Oui. Donc même c'est ça bilan politique là pour année avec 6 dossiers qui dominent actualité politique là et l'organe des bilans son bilan négatif dans bilan politique là tout et ou doit demander qui ça madame la lime a fait là toujours parce que c'est sous embarqué madame la lime qui là en fonction de résolution 2476, résolution 2600, résolution 2645 et résolution 2653, madame la lime sont catastrophes qu'elle crée dans le pays à qui ça l'a fait là toujours. Dans le dossier politique, madame la lime t'es doit révoquer déjà ça l'a fait là toujours. Bon, Stanley, nous ça qui est pour avec question sécurité en Haïti. Et n'a regardé par rapport avec un ensemble de décisions que le gouvernement Ariel Henry en prend. Pas vraiment gon capacité pour gérer question sécurité dans le pays. Gang fin prend pays en net, rentrer nord pays bloqué, rentrer sud pays bloqué. Et par rapport à la situation ça, nous avons l'impression que l'État perd du contrôle territoire. Ça catégoriquement nous dit l'État perd du contrôle territoire. Je ne veux dire là nous vinoué gion certaine, est-ce que nous carré les cohésion qui gagne entre secteur mafia négazam yo bandi yo et secteur culturel là, artiste qui va jouer dans village de Dieu, DJ qui va jouer dans village de Dieu, etc. Et comment comprendre réalité ça, le artiste a performé pour un chef gang, pour un groupe gang non base. Est-ce que nous t'as supposé catégoriser artiste pour nous allier avec Zak Malhonnête Bandi ou affaire ou bien est-ce que ou même c'est par nécessité Jean Mounier a dit là que artiste a joué pour sauver Paul? Et vous avez plus de questions en des questions ça. Par une démission, par aucune démission de responsable d'État en matière de sécurité. Et responsable l'État a géré la population pour empêcher de lever campé à travers deux bagailles, deux outils qu'il a utilisés pour gérer la population pour ne pas lever campé. Insécurité que gang a metté, c'est un outil qui a servi pour qu'embé population pour ne pas lever campé. Et deuxième outil qui a servi avec lui pour empêcher la population de lever campé, et n'a ouais ça dans le bilan économique, là, c'est la richesse. Donc ça a son choix politique qui est lié. Côté Ariel Henry avec oligarque Pétionville a servi avec insécurité et la vie chère pour empêcher la population de lever campé. Bon. C'est ça qu'on va expliquer que, un, vous avez à peu près 13 membres de haut niveau dans le pouvoir exécutif là qui impliquent dans le gang. Ariel Henry, Liskitel, Beto Dossé, Josué Pierre Louis et Ladrier. C'est ça qu'on va expliquer que il y a un prolongement dans le pouvoir judiciaire qui a protégé la sécurité avec gang. Et c'est ça qu'on va expliquer tout que au sein de l'État haïtien, à cause de choix ça, par une stratégie intégrée de l'État pour combattre l'insécurité. Allez dire que si tu as une stratégie globale de l'État pour gommer contre insécurité, c'est pas France CLB avec la police pour contre lui qui contre sécurité A, contre insécurité A. Dans tout pays, côté gain une stratégie pour craser gang et pour lutter contre insécurité, c'est toute institution l'État qui doit impliquer là-dedans. Ça veut dire commencer par Premier ministre à CSPN, ou descendre dans le ministère de la Justice, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, intelligence et collectivité territoriale. Tous outils économiques et politiques et sociaux que l'État a gagné doivent impliquer dans le mouvement contre Gagnon. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. La police pour contre par jamais craser Gagnon et c'est voulu. Et pour ça, nous perdons 75 policiers qui t'aiment les négociants.
Bilan lourd vraiment. Mais yo connaît que là yo voye la police pour compte li al combattre gang yo, yo voye la police à l'abattoir. Son choix politique lié. Et son choix délibéré que lié côté nèg a sacrifié policier. Donc je vous dis à question qu'on pose à c'est pas on démission des responsables de l'État, c'est un choix. Insécurité a fait partie des outils pour gérer la population, pour ne pas lever camper, même j'ai la vie chère. Donc, pour artiste même, nous avons un lien clair qui existait entre Gagnon et certains artistes. Pas tout, non. Il y a à peu près 4 ou 5 artistes, je ne sais pas, mais il y a 4 ou 5 artistes qui connectaient directement à Gagnon. Et pour des raisons purement financières, il ne faut pas oublier en 2022, le kidnapping a rapporté 39 millions de dollars américains. Donc il y a blanchi comme là à travers une série d'artistes. Donc si je comprends là, il y a des dossiers qui ont monté. Bon, ou même qu'on a toujours appris qu'il était à chercher information. Donc très prochainement, on va partager plus d'informations avec nous sur Artisayo. Absolument. Et l'on garde des liens, on apprend que. Artiste sa yo connecté avec même oligarque Dimitri Vog, Jean-Marie Vog, Reginald Boulos, et vous ouais c'est même artiste sa qui connecté avec même oligarque sa yo qui a connecté à gang yo. Monsieur sa yo dans toute sauce. C'est ça même. Faut pas oublier que ou songer dans zone 2018-2019 et Jean Dimitri Vog et campé programme lui dit lui pas supporter artiste encore et puis il était qu'un 4 ou 5 artistes seulement qu'il marche avec yo. Bon, et je pense que c'est ça qui vient pour avec sponsor. Il y a un artiste avec artiste resta avec qui politicien qui implique dans tous les résidents, quand Macha dit Dimitri Vop, c'est Kato. Donc, ça va nous faire nous saisir. Donc, réalité, c'est que je ne veux dire là, nous avons un pays qui est gangsterisé. Dans la gangsterisation du pays, il y a une implication pouvoir l'État. Gen implication secteur économique là, gen implication, gen passivité population tout qui accepte que nèg sa yo ki nan tèt l'état pa preglon merde, mais y a touché, y a joui perdièm de deuxième résidence, y a bien passé alors que yo pa en mesure, bon y pa en mesure, non yo pa vle pote solution avec problème pays avec problème peuple. Stanley. De bon vu, moi même pa quoi que m'pa quoi gen passivité population. Parce que pas de passivité mon cher. Nèg sa yo ka bien passé dans tes pays pa preglon merde m'a regardé Ariel qu'on y a l'Ariel a prend la rue il pralé dans et li pralé dans des cérémonies publiques qui pas fait dans résidence officielle là regardé Ariel Henry qui bien bourré tant qu'on chat bourré Ariel Henry conscient de l'insécurité hein. Nous même qui fait partie de la population n'a vive insécurité hein. Le fait que nous pas mettre bâton derrière nèg le fait que nous rester sous bol glace nous pas nous pas comme si porter bourré sous nèg yo vinn pas envie faire moi non moi comprendre ça dia même faut pas oublier que et dans expérience que me gagne dans mouvement pour démocratie en pile côté en Haïti chaque culture gen façon et manière parle pour le goumen par rapport à moun qui dans régime totalitaire k'ap krasé zo k'ap pillé nan corruption en Haïti et peuple haïtien on jwenn lutte qui très complexe gen délai pour comprendre dans qui direction que lit nan pral aller. OK, m'va voir peut-être une ou deux indicateurs qui montrent que tout ça, il a fait là pour montrer une certaine assurance. En tant que monsieur, c'est presque quasi a tellement peur. Ma bon grain indicateur. Le fait que nèg y a boumen depuis mois de juillet, il a bat tambour pour mander intervention militaire étranger pour venir protéger, pas ka joindre ni. C'est une bagaille qui empêche nèg yo dormir. Si nèg yo té à l'aise, nèg yo té gen contrôle. Nèg yo pa konnen ke pèp ayisyen pral leve kan bon kote pral kouri dèyè yo e pa gen kap ka sove yo. Yo ap mande intervention militaire. Intervention militaire ke yo mande a avec rapidité ke yo mande la, son indicateur yo senti ke chalet ap monte. Yo bezwen protection. Et sa nèg yo pa konprann, lò li liv ke général français ki travay pou Nations Unies a ekri sou rele Lou Franca, liv lan rele maîtriser la violence. M'bral pi loin, même les blancs, ta vini blanc pa ka sauver Ariel.
Parce que général français a dit comme ça que bon conscience populaire, les gens ont ça relé un refus collectif par rapport à un événement qui fait dans pays a, dans cas pas nous gain deux refus collectifs, bon refus collectif par rapport à assassinat président, collectif par rapport à Jean Nèg Touyé et Jean-Baptiste. Et qui résultat? Mais vous payez ça quand même. Mais question c'est que pendant ma parole avec vous là, gasoline nan gen tan terre dans la ria. Et c'est qui les ali mettre la pral, un grain ali mettre pral tomber sous gasoline nan pour faire le prendre difé. Qui ça qui gasoline qui à terre qui dans la ria? Gasoline qui à terre, m'a pour entrer dans dossier économique là. Gasoline qui à terre qui dans la ria, qui ça lié? Inflation à 47%. Avec dit que inflation officielle la vie chère qui monte à 47% sous Jovenel était entre 11 et 15%, il y a 47% officiellement, mais en réalité 65% qui a inflation y est dans l'aria. Dollar, pendant ma parole avec vous là, ou gen 155 gouttes dans mon vacache en dollar. Bon, ça, ça veut dire, lorsqu'on paye 85% sort consommé sur l'autre bord de l'eau, ou bien 155 gouttes dans mon bagage ton dollar, ça, c'est gasoline qui a été atoui. Donc, BRH qui n'est pas payé, réserve dollar, qui est à 900 millions de dollars américains, qui n'est pas mis aujourd'hui à 223 millions de dollars américains, c'est gasoline qui a été atoui, pas l'éclaté dans la figure. L'opre jeune n'a pas le peuple pendant 18 mois qui sont passés là. A dit que malheureux à malheureux qui a été là, n'a pas 90 millions de dollars américains, non mais pas moi, non gaz là. En 18 mois, en 17 mois, n'a pas 1 milliard 530 millions de dollars américains, non mais malheureux à malheureux pays d'Haïti. L'opre par exemple, prix farine, prix sec, prix l'huile, prix du riz, prix pain, prix maïs, prix boisson, prix manger petit bébé qui n'a pas augmenté dans le pays. C'est 743 millions de dollars américains qui ont ramassé dans le pays avant 2022. Alors, ou même, Yannick, additionnez le coût que vous volez dans le gaz là. 90 millions de dollars américains par mois, multiplié par 17 mois, là, bon, 1 milliard 530 millions. Dans la vie chère, chaque mois, nous avons pris 43 700 000 dollars dans le peuple. Dans le prix manger qui a augmenté dans le pays. Mettez 743 millions. Ajoutez 39 millions de dollars américains kidnapping. Ajoutez 300 millions de dollars américains que nous avons volé dans la Banque centrale. Dans soi-disant pour stabilité de dollar. Et contre le badlan. Mettez sous lui 39 milliards de diaspora que nous avons volé dans le taux de change. L'on vient ajouter tout ensemble. Où est gasoline dans guetan à terre? Question par rapport à la question qu'on pose, qui est grenali mettre la tomber sous gasoline nan? Et puis il y a pas de phénomène. Ça, par contre, qui est, mais la vinil sous route. Et nèg yo tellement connaît que lever camp et peuple la sous route. Mais peuple ça est comme ça lié. La gado. C'est comme ça, le peuple a gardé bandi yo. La gade oligarque corrompu yo, peuple la gade assassin yo. Peuple la nan tèt li la di m pral prendre ça, mon pa konn ki jou peuple la pral prendre yo. Et là nou yé, et c'est ça Ariel konnen avec oligarque Pétionville konnen. Pour jè a pas fini peuple la politiquement à travers insécurité, économiquement à travers la richesse. Nèg yo konnen peuple la pral lever camp pral courir derrière yo. Et c'est pour ça qu'on a des interventions blancs pour venir protéger eux. Mais en attendant, Ariel a préparé le terrain pour aller vers les élections. Et dernière action politique que Ariel fait là, côté que bon consensus national, accord signé, gain différents noms qui a cité là, et secteur politique choisi Mélède Maniga, secteur économique là, et yo choisi, aïe. Ok, et monsieur qui représente Haïti, avec, Donc, par rapport avec la situation ça Stanley, est-ce que Ariel, avec, bon, moi je me considère que c'est une transition dans la transition, est-ce que Ariel la bénéficie d'une certaine légitimité par rapport avec Mounsayo pour lui organiser l'élection et pour mettre un président élu dans le pays? Est-ce que n'a pas le chance ça? Et
moi m'a don bagay, en clair, OK? Et nan question qu'on pose a, c'est vrai que Ariel gon agenda très clair. OK? Qui sa agenda Ariel là? Li gagnen agenda Ariel là, li gagnen et 4 points. Premier point, c'est intervention militaire pour protéger, intervention militaire blanc pour venir protéger contre peuple là qui va lever campé. Deuxième point dans agenda Ariel là, enterrer dossier enquête sur assassinat président Jovenel Moïse et pas quitter enquête faite sur assassinat Éric Jean-Baptiste là pour rapport pas même gain publié. Coup d'état électoral pour mettre en unité président pays. Et puis dernier point, continuer avec corruption locale et globale là. C'est ça qu'agenda Ariel là. Bon, moi mettez le pour peuple là. Intervention militaire pour protéger Ariel à oligarque. Enterrer dossier enquête assassinat président Jovenel, pas quitter enquête faite sur assassinat Éric Jean-Baptiste là. Coup d'état électoral, continuer corruption nationale et globale là. Et tout comme ça, aucun nèg yo volé, gen blanc corrompu à l'étranger qui recevra 5, 10, 15 millions chaque mois pour protéger yo. Kou ya, qui sa agenda peuple là? Peuple là, li besoin arrêter tout assassin qui touye président Jovenel et qui touye Éric Jean-Baptiste. Parce qu'il connaît que s'il pas arrêté assassin président Jovenel Moïse yo, n'importe moun qui l'a choisi dans l'élection qui décide de travailler pour peuple là, oligarque yo, politicien criminel yo va touye le même genre. Deuxième point dans l'agenda peuple là, rétablissement sécurité. Peuple a besoin de vivre dans quartier populaire. Donc peuple a le rétablissement sécurité. Bon, c'est ça le premier point. Hein? Ou bien doit mettre le premier point. Hein? Ouais. Troisième point dans l'agenda, peuple a se retourner pays à l'ordre constitutionnel. Pour y'en des autorités parlementaires et dans le pouvoir exécutif là, que c'est peuple a choisi ou dans l'élection qui a pris une décision pour pays à. Et puis, combattre la richesse. C'est ça qu'agenda peuple là. Donc là, on prend deux agendas, ça, c'est des agendas opposés qui ont eu. Donc, on côté confrontation orale faite en 2023. Qui l'aime Bagadou? Mais on confrontation en 2023. Ariel va laisser le coup d'état électoral là. C'est pour ça. Lors analyser document 9 pages qui ont eu le consensus national pour mettre au conseil de transition, hein? On vient découvrir que, à travers document ça, bon parti nan moun qui prépare document ça c'est octoué Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste pas d'argent tient ça. Donc premier bagage ou vinn wè nan document consensus national là lui permet ou wè qui est qui touye Jean-Baptiste et pas difficile pour joindre non de vous garder photo ça que t'a signé ou wè qui oligarque bota black participer dans touye président m'a dit président Éric Jean-Baptiste ou wè qui politicien bota black participer dans touye Éric Jean-Baptiste et conclusion qu'on vinn faire. Dans la simulation, ça, même oligarque, même politicien qui touille le président Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes tout qui touille Éric Jean-Baptiste. C'est ce qu'on joint dans le document consensus national là. Et l'analyse 9 pages là, document consensus national là, c'est des bagailles qui fait. Livin Koré Ariel, et puis il y a une série de monde qui était dehors, un tiso vin soussé. Ça veut dire que Madame Maniga, c'est le nouveau Joseph Mécène. Donc, comme le document 9 pages là, Madame Maniga, son figure en quelier, lui c'est nouveau Joseph Mécène. Étant donné simulation, yo pas à 100% vrai, n'a pas su l'évolution. Et, non, ça qui est pour avec le dossier bâtonnier Mofuri d'Orval. En tout cas, moi-même, pendant 17 mois qui me sont passés là, tout ça m'a ou en matière de simulation, yo vin de premier qui dit au conseil que Ariel, faut regarder s'il implique dans tout le président. Simulation, tu viens tout l'invité, oui. Tout ça m'a ou pendant 17 mois qui se passe, c'est une réalité. Bon, et ça reste à vérifier. N'a pas continué. Simulation est extrêmement importante. Et le temps nous dira le reste. Et non, ça qui est pour avec dossier assassinat bâtonnier Mofuri d'Orval. Et est-ce que vous pensez Ariel Henry a fait même des machins là pour continuer, pour le cacher, casser, faire couvrir ça, cacher vérité? Pour... Il n'y a pas l'autre option. Parce que bon, mon bagage. Les Ariel qui impliqué? Absolument. Les bons crimes qui fait, première question qu'on pose, à qui profite le crime? Les on finit tout Éric Jean-Baptiste, première question qu'on pose, à qui profite le crime? Document, consensus national, la vie nous est, permettre nous qui est-ce qui profite de crime? Non. Les on finit tout le président Jovenel, question qu'on pose, à qui profite le crime? Qui moun calme était ministre de la justice? C'est pas Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, qui prend avocat sous Genève, bientôt dossier, il mette le ministre de la justice.
qui s'actouille, mon frère Yerval, interview que le fait le 20 août 2020, dans matin sur Radio Magique 9. Son grand bagaille d'Oval dit dans l'interview qui fait que Dimitri Bob Touyel, bon côté, vous posez la question. Premier parti dans l'interview, il passe M. Nambetis parce qu'il était en conversation téléphonique à président Jovenel Moïse sous question constitution. Mm-hmm. Ça t'est énervé, ou journaliste a essayé de passer Nambetis pour ça. Mais deuxième bagaille qui a parlé de M. dans l'interview, c'est les journalistes là poser la question et puis répondre. Je dis comme ça que client, quelqu'un comme avocat, pas déterminé position politique. Puis, si client a besoin de parler pour lui, quel bon compagnie de relation publique, client, c'est sojourner. Mais c'est un fait. On client, on relation, en relation et professionnel, on gagne avec un ça ne veut pas dire que conviction supposée aller dans le sens client. Non, c'est de là. Soit dit là, on parle d'un socio-professionnel indépendant qui a une vision moderne de la société. Oligarque là, l'Elgado comme avocat, comme ingénieur, comme agronome, comme politicien qui travaille. Oligarque là, à cause de l'esprit raciste qu'il gagne, sont restés avec Koye, qui ont fait permettre de dire ça sur radio. Je suis M. Boussa, mon cher. Et c'est même Badio Joseph qui était dans le pèlerin 5 ans, qui organise l'opération Touye Dorval, là, même Badio qui est président. Bagay yo compliqué. Mais nous gagnons ensemble d'éléments, ça, d'éléments. Est-ce que vous pouvez considérer comme des preuves ou bien des éléments d'information? C'est vrai que depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est Ariel sous pouvoir, nous affilié Ariel directement avec le groupe Sayo, le groupe oligarque Sayo. Et je ne veux dire là, est-ce que l'Ibata est important? Même non, ça, on a dit ministre de la justice, à qui profite le crime? Qui est-ce qui vient directeur général IDH? Ce n'est pas Moroz, ancien employé sous Dimitri Vob, qui vient directeur IDH? À qui profite le crime? Faut toujours poser une question ça. Ou pense que nèg sa yo gen contrôle DCPJ, yo barre enquête, yo barre yo acheter juge instruction, commissaire du gouvernement, tout bagay nan poche yo? Et yon nan premier bagay ki nou te constaté, même les président Jovenel Moïse te la, oligarque yo te gen contrôle la justice sous président. En d'après ou mandat secret que juge Jean Roger Noël si stal fè a. Sous président de la République, nan pendant président, il pa même au courant non. Ça montre qui point que oligarque yo gen contrôle la justice, yon gen contrôle tribunal de première instance. Oligarque yon tellement gen contrôle la justice, malgré que nan constitution amendé à juge ou cassation, pas qu'à président encore, nèg yon fait Joseph Messène, Reginald Boulos remet Joseph Messène by André Michel Boulal fait discours comme quoi le président provisoire. Dimitri Vob prend Yvickel d'Abrésil avec Wendell Kok, juge nan cour de cassation, mette l'en tentative touye président et touye président. Gardez ça qu'a passé à Bernard Saint-Ville. Commissaire gouvernement Bedford Claude fait enquête auprès de la compagnie Digicel qui établit que pendant que tout le président et Ariel Henry qui était dans l'hôtel Montana a parlé avec Badjo Joseph qui était dans le pèlerin 5 ans qui est président pendant que tout le président. Qui s'en est fait à contrôle judiciaire qui a gagné? Réquisitoire supplétif que Bedford Claude pour voir une information additionnelle ça. Le juge d'instruction, Jean la loi prévoit lui, n'est-ce qu'il a éliminé lui. Et même Jean-Tour, unité de lutte contre la corruption, joint 5 boulots qui ont volé dans l'État, ils ont voué rapport à Bernard Saint-Ville, droit à un tribunal de première instance, et quatre rapports, ils mettent sous côté. Oligarque Pétionville, ou pas qu'à manger. Laissez-y nègre, t'y femme, nous, pays d'Haïti, la loi, la justice existait. Mais laissez Oligarque Pétionville qui a fait crime économique et crime politique en dedans pays à qui tout est président, ou pas comment il mis la Pétionville. Eh bien, je dis là, Bernard Saint-Ville n'est pas doyen encore, et bon nouveau doyen, est-ce que ce n'est pas un bon moment pour nous relancer le débat, et puis pour rapport à aller dans la cabine d'instruction pour suivre ce débat. Quand on va relancer le débat, qui n'est que mettre doyen tribunal première instance, c'est pas même Chaban Etienne qui était obligé de déporter tête li de dossier président Jovenel Moïse là, pour conflit d'intérêt. Faut pas oublier que Chaban Etienne, c'est 5 janvier 2022 que Ariel Henry nomme comme juge. Et puis un mois plus tard, même Chaban Etienne que Ariel Henry nomme, c'est lui-même qui va le mettre juge d'instruction. Automatiquement, il y a un conflit d'intérêt. Parce que les gens qui sont impliqués dans tous les présidents, juge n'a pas de droit, jamais accepté. Les faits même qu'il a accepté de prendre le dossier, les connaissent ça, Ariel Henry qui est nommé et qui est impliqué dans tous les présidents, depuis les ça, ouais, juge ça, son juge dangereux. Définitivement, qu'est-ce qu'il faut faire avec le pays? Justice encore, on peut jouer dans le zoo. Justice à tout le monde. Chaque
chaque monde qui est impliqué dans le dossier, un groupe qui a protégé, alors que nous besoin de justice, nous besoin de transparence, nous besoin de sanctions, nous besoin d'agir avec rigueur et sévérité contre les gens. Eh bien, jusqu'il est, nous avons espéré dans le pays. Hein, pour nous c'est pour ça, vous avez un collègue journaliste qui a fait une émission sur la justice et les nations, et Guerrier Henry. Ils ont fait une belle émission sur la justice qui montrait dans qui était la justice. Je dis à dans l'évaluation pour la Yannick, ou correct à 200%. La justice corrompue juste dans l'eau. Et qu'on crée le monde qui contrôle la justice dans le pays d'Haïti, sur l'Igac Pétionville. C'est pour ça, pour Marémi la Pétionville, qui n'a pas de crime économique et crime politique dans le pays, ils vont jouer avec Kelly, tellement ils ont contrôlé la justice. Où est Clifford Brett là? Pour y veut condamner Clifford Brett. C'est bon, je vois l'idée, non? Non. Clifford Brett, dossier, il était attaqué même secteur avec lui. Donc, pas de ou pas bois. Non, mais malgré tout, il y a des manœuvres qui fait non pour justice pas fait non dans le dossier ça. Donc, ça m'a dit aujourd'hui, il y a une bagaille qui bloque le pays, pas d'égalité des citoyens devant la loi. Sous son petit nègre, un petit femme noue, qui sont dans la classe moyenne, ou bien qui sont si malheureux pour y aller dans la ria, y a mis tout dans la détention préventive, ou qui a fait 14 ans prison détention préventive, personne ne va venir dire rien. Tandis qu'il est soumis à Pétionville, qui fait crime politique, qui tire le président, qui tire Montferrier d'Orval, qui tire Éric Jean-Baptiste, ou pas comment rien. Et bon, pose une dernière question. L'idée pour nous avec. Nous va faire bilan social là non nous. Non, bon, n'a pas retourné. Mais ça pour nous fermer parenthèse là et là on regarde réalité politique, sécurité, on regarde réalité sociale là, tout réalité économique là. Et même j'ouais clameur public a dénoncé Ariel Henry avec allié lui qui sous pouvoir, qui a d'abord là ce pays pas problème merde. C'est le même Solari en doux, Solari a indexé des séries de gros nègres, des séries de puissants et chefs d'entreprise dans le pays, tant que nous prenons par exemple, et Bidjo, nous prenons par exemple, et Bossan, yo. Des séries de monde qui gagne business. Comme si Solari a dit, et Solari a même chose, ça me tape, c'est Bossan qui est Jean-Baptiste, d'après ça, lui. D'après ça, Solari a dit, d'après ça, Larry Aban, moi, c'est Bossan avec Ariel Henry qui touille Eric Jean-Baptiste. Bon, avance. Le n'a pas de côté business, moun sa repositionné. Dans le quartier chaud, dans la zone où j'ai. Mais chaque jour, business a fonctionné. Business moun a fonctionné, yon descend en activité, yon en évalué. Et journée aujourd'hui, là, il y a des sanctions qui prend contre moun sa yo. Yon sanctionné Bidjo. Regardez la réalité. Il y a des gens qui doivent. Il y a des gens qui doivent parler par évidence. Tant que Laurent Lamotte doit parler évidence, c'est sous base tripotaille. Mais les gens, côté musicien positionné, ils ne sont pas victimes. Et chaque jour, ils arrivent avec l'activité. Comment expliquer la réalité ça? Moi-même, position très claire. Quel que soit oligarque ou politicien qui est impliqué dans la gang, qui est impliqué dans le trafic d'armes, qui est impliqué dans tous les résidents, il faut sanctionner correctement. Mais en même temps, tout, pour me protéger la souveraineté nationale du pays, je me dis qu'il faut que Jean Démocratie a amendé tout élément dans le tribunal. Le tribunal a condamné les gens, ils ne peuvent pas tourner encore dans la figure personne. Même si l'âme campée ne va pas changer, elle a toujours constaté ça. Est-ce que... Quel que soit le monde. Mais ou pas de présomption sur le monde comme le monde qui a investi dans l'assassinat du président Jovenel? De qui est-ce parlé qui n'a assassiné le président? Non, tant que est-ce qu'on parle d'informations, tant que de l'autre par exemple, groupe Bidjo, Prabossan, Mounsa, parce que focus là c'est Reginald Boulos, Mounsa, pas là-dedans. Regardez, non qui implique dans l'assassinat du président, la justice ou est mandat à Bayo. Bossan doit impliquer dans l'assassinat du président. On a toujours tant de noms qui impliquent dans l'assassinat du président, même pour que j'aime des éléments. Mais quand on a des éléments clairs que la justice et dossier Bayo, c'est Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob qui impliqué dans tous les présidents. Ou là, est-ce qu'il y a l'autre oligarque qui impliqué dans tous les présidents? Absolument oui, mais il faut nous jouer un élément. Yo. OK. Bilan social par rapport à l'année 2022, c'est qui ça lié? 5 minutes. OK. N'avez-vous pas le coup? Première victime. Année 2022, au niveau social, c'est Timounio élève l'école. Yo. Il y a 4 500 000 Timoun qui ont pour l'école, il y a 3 500 000 qui sont dans l'école fondamentale,
et 1 million nouveaux secondaires. Et ti moun sa yo jusqu'à présent yo pourquoi l'école et malgré yo di l'école la ouvert 53% l'école yo seulement qui l'ouvre toujours dans bilan social là gen 4 700 000 moun qui dans insécurité alimentaire. C'est oligarque Pétionville qui mette yo dans insécurité alimentaire, bloquer investissement k'ap fait, tout investissement l'état pour augmenter production agricole et dans chita dans importation seulement et dans économie de monopole que yo mette ya. Et la santé dégradée net, service de santé dégradé net en dedans pays a, même de coronavirus là, autorité l'état pas parler de li. Et nous te fait cérémonie dans pays a, côté nous te dit et nous fini avec choléra en 2019. Bon nouveau choléra qui fait paraître là, mais par contre si c'est pour protéger blanc, le ministère de santé publique pas même fait enquête pour dire côté choléra ça a sorti. Ça a son bagage qui inquiète. Est-ce que c'est blanc qui vient là bon nouveau sous choléra? Dossier migration interne, immigration externe, occuper espace, débat social là, et surtout en République dominicaine, côté gouvernement raciste Abinader a violé tout droit haïtien. Migration interne a affecté à peu près 1 million de monde par rapport à l'insécurité dans la zone métropolitaine. Nan. Politique logement social et tout projet que le président Jovenel Moïse a fait, il a tout campé. Et prise que le président Jovenel a pris sous rivière Massacre, Poilouz et trois départements. Non seulement Ariel Campil, mais il te voyé à Daniel Siplis, il dit présenter des excuses à Abinader, un bagage qui est vraiment révoltant. Et programme courant, campé, et même centrale électrique Kafoua qui paraît depuis le mois de juillet, il n'y a pas jamais fait le marché. Centrale qui porte de paix à Tédoual, il y a 6 communes courantes, il fait esprit, Dimitri va faire Campil. Centrale au Cap là, dans Saint-Philomène, qui est à l'Alba Mouno Cap courant avec Moté tout neuf qui doit synchroniser à Dimitri Vop Campel. C'est pour ça que mettons ancien envoyé et Sogener Morose, directeur général EDH. Au Fatma Tounen Brem, bien privé Boulos avec parti politique MTV. Ona, c'est oligarque Pétionville avec politicien qui n'a pas pouvoir capiller comme de retraite travailleur. Quant à formation professionnelle ou bien politique en faveur population vulnérable, les populations vulnérables, femmes et garçons, si mon ami rural, t'as souffri, président Jovenel Moïse, t'es qu'on voyait manger, bah, t'es qu'on voyait mon cash, t'es qu'on voyait restaurant communautaire, tout bagay ça au campé, tout comme ça, yo, à l'empoche oligarque. Donc, yo crasé 407 milliards de gouttes l'État en 17 mois dans ce sens-là. Donc, handicapé même, yo pas parlé de yo, donc, conseil des bagay, comme ça, yo pas parlé de yo. Donc, le ministère des Affaires sociales va exister là, avant de m'en parler avec vous là. Et le ministère des Conditions féminines va exister avant de m'en parler avec vous là. Donc, affaire des programmes sociaux, sont celles côté qui font tiger fort. C'est bien-être social, n'a affaire comme si essayer de protéger Timoun, que y a fait abus sur yo. Et puis, n'en dîner pas, et côté ouais, que n'est qui a occupé à faire de l'eau potable là, il fait des droits tiger fort. Mais en matière d'intervention sociale de l'État, oubliez ça, ça va exister. Et sous n'est tout comme l'État, séparé 70% dans 407 milliards de gouttes là, joint oligarque, 30% séparé entre politiciens qui dans coalition Ariel là. Et sous 10, bay Ariel Henry en note, non, bay pouvoir Ariel Henry en note sous 10 là. Zéro. Son note quand même. Mais par contre, ça me bay note là. L'autre institution de l'État, ok, un pouvoir de l'État, qui est le pouvoir exécutif là. Li gen la dan, on primature 18 ministères. Li gen 64 directions générales. Li gen 10 délégations. Et li gen 147 mairies pour l'assister, pour bay peuple à service. Et yon ramasse comme taxe dans mes peuples qui c'est 407 milliards de gouttes pour que service sa yon kabay dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la sécurité. Service sa yon pa bay. Donc les services sa yon pa bay. Qui notre poubaye? C'est qu'on comme d'alou, ou alfon professeur a fait dictée avec vous, li bon dictée pour faire 40 fautes sous dictée, et puis vous pensez que vous avez 6 ou 10 pour peut-être 40 fautes qu'on fait dans dictée, ça va possible, mon cher. Elle dit que travail pour négocier de faire à comble l'État pour aider le peuple là, pendant 2022. Non seulement négocier volé 407 milliards de gouttes taxes peuple là en 2022, ça négocier fait, même au niveau et même au niveau politique économique, négio c'est sous peuple là, avec si réserve que peuple là dit qu'il n'a pas pour laisser qu'un b,
si quoi qu'il vient qu'il fait dans banane mon petit maï qu'il vend dans l'aria mon petit sirè qu'il vend dans l'aria mais qui a fait quoi blanc dans poche malaria malaise à travers prix Gaza à travers la richesse mais qui prend 743 millions dans poche malaria dans 10 départements et dans même diaspora à travers la richesse mais qui prend 1 milliard 530 millions dans même malaria dans des pays à travers Gaza côté au fait 90 millions donc politique a fait son politique de crime économique permanent. Donc, zéro à son zéro. Je pense que c'est au conseil. Non, c'est au guillier. Stanley, 2023, li sous route pour rentrer là, jour J-2. Qui perspective vous pour Haïti? Et qui dernier mot? Bon, il va dernier mot, non? Et qui mot de la fin a annoncé et public là pour nous fermer l'émission? Bon, 2023, après une année de combat. Une année de combat pour la démocratie, la paix et le développement économique. Et confrontation après le fait. Anti-force rétrograde, force fait noir, qui fait partie de trois catégories. Ou bien blanc qui fait partie de l'élite globaliste corrompue, qui veut venir voler sa campagne en balançant mes pays d'Haïti. Ou bien oligarque Pétionville, et puis politiciens de différents niveaux qui se restent avec eux. On bord, et puis on l'autre bord. C'est toute force progressiste qui en dans la majorité masse peuple dans la diaspora. Et qu'on côté confrontation, ça après le fait. Et gourmet ça pour la démocratie, la paix et le développement économique, son gourmet qu'a fait à la fois en Haïti, Washington et Ottawa et Paris. Et bon, et Stanley, m'a dit un grand merci pour disponibilité et déjà pour l'année 2023. M'a souhaite une bonne continuation, bon combat parce que 2023 son année cap pitof, son année cap pi chargé. Et mettez garçon, mettez canson dans ta ou pired pour nous battre pour pays. Bon, c'est moi pour remercier d'abord Yannick et toute équipe TAC 509 là, parce que le combat qui nous mène pour 2022, nous avons pris la voie facile et même conseil de l'autre monde fait, prend un copain de oligarque, prend un copain de Ariel et puis fait manger sous souffrance peuple là. Nous-mêmes, nous ne parlons pas comme ça. Nous montrer que c'est des gens qui sont engagés pour qu'on gagne l'autre Haïti dans le 21e siècle là. Pendant 12 mois 2022, vous faites des sacrifices énormes, personnels, par rapport à la famille, par rapport à les amis, pour qu'avine chaque fois vienne là, pour passer dans ça, pour éduquer le peuple, pour informer le peuple. Et dans la fin année, ça, vous avez une bonne médaille d'or avec un gros diplôme et honneur et mérite tout saint l'ouverture pour se faire en tant que patriote pour. Parce que c'est voir, c'est où tu vois le peuple là pendant 2022. Parce que nous-mêmes, dans TAC 509, là, pour ça nous fait comme travail pour 2022, vous étiez la voix du peuple et la voix de la diaspora. Alors, dit que dans le pays d'Haïti, oligarque avec pouvoir, ils dépensent pile quoi pour que le conseil des dossiers ne pas discuter dans la radio. Ou avec le conseil des nègres, ou pas même parler de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Même Jean oligarque qui a été fait, il a été fini tout Jean-Jacques Dessalines. Nous ne pouvons pas parler de Jean-Jacques Dessalines pendant 50 ans. C'est ça qui a été fait là. Mais heureusement, dans le 21e siècle, les nouveaux outils qui existent sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, fait que les gens ne peuvent pas mettre des bouquettes sur l'information. Donc, dans ce sens-là, je remercie en pile, je présente aux vœux de santé, moi. Et à, ou même à toute famille, ou même avec toute équipe radio et auditorio pour l'année 2023. Kembe là, en pile courage. Bon Dieu, Benou. Merci. Et 2023, red. Ah, pas une autre option, non? D'accord, merci. Bye-bye. Kembe là. Jean nous sautre là, Stanley dit tout bagay, pas vraiment gagné et grande chose pour m'ajouter, sinon que remercier chaque grain ami, chaque grain supporter, chaque grain abonné, TAC 509, qui te fait toute année avec nous, qui te rete solide, qui te campé derrière nous, tant qu'on rock solide, pour nous porter travail d'information, ça, travail d'analyse, ça, baou. En toute objectivité, moi toujours prend plaisir dans informer, moi toujours prend plaisir dans former, moi toujours prend plaisir pour me faire travailler en toute objectivité parce que c'est pour ma travail et me pas cabaou n'importe bagaille. Son véritable plaisir et ces dernières émissions pour année 2022 à la dernier vendredi dans mois, dernier vendredi dans l'année. Donc nous passons une année tête chargée, nous passons une année avec un pile turbulence politique, avec un pile menace, un pile pression, un pile et adversité, mais nous là
nous là, nous motiver, même motivation, même engouement. M'a profité souhaitant une joyeuse fête de fin d'année et bonne heureuse année, mes vœux de santé, de prospérité, surtout bon combat, bonne continuation dans bataille pour changement société pour l'autre pays qui kamene yon Haïti prospère, qui kamene yon Haïti qui grand monde tête li yon Haïti côté que démocratie a bourgeonné, démocratie a fleuri, qui capote résultat, qui capote fuit. Pour ça possible, c'est pas seulement moi-même, c'est pas seulement et Foucault, c'est pas seulement Wendy Fell, c'est pas seulement et on paquet l'autre jeune qui motivé, on paquet l'autre jeune qui yo même yo kwenon l'autre changement, yo kwenon l'autre bataille pour l'autre pays. C'est pas seulement responsabilité nous, c'est responsabilité chaque grain haïtien, chaque grain citoyen qui pour mettre main ensemble pour année 2023 pour nous capoter yon l'autre bagay, yon l'autre et yon l'autre alternative, en pile l'autre alternative au moins qui cabaille résultat avec et gouvernement qui cabaille résultat avec gouvernement criminel de facto corrompu qui pas soucieux et de la vie population qui pas soucieux de ça n'a traversé de za cannibalisme qu'a fait dans pays là et mot pas suffit dou merci pas suffit l'amour li beaucoup plus l'amour nous partager relation nous partager et proximité qui gagne entre moi même avec en pile fanatique parce que c'est pour nous m'a travail toujours disponible disposé pour nous parler et merci à chaque grain d'ami qui répond présent dans projet fin d'année dans projet sous jour moi et m'a dit nous ça projet à li pas t'a pas réaliser sans support nous sans contribution nous censé prêt mais ou même qui voulait contribuer pour mettre plus moun sous table pour bailler plus moun sous et gain deux jours jodi an demain ou ka toujours contribuer ou ka toujours supporter si vous voulez mettre présent pour serrer les écrime dans numéro émission dynamique mais qui ça qui ka fait yon grand merci à chaque moun yon grand merci avec équipe tax 509 là chaque grain moun qui était indispensable pour travailler la fête pendant l'année moi menou en pile kembe la pamoli yon lot Haïti en 2023. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et bien, sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la vallée pays, nous prenons le faire des bases, c'est toujours même Yannick là, même voix.